dans 5 ans, dans 10 ans, dans 50 ans et plus, Togolaises et Togolais, chers compatriotes, lorsque l'on vous demandera qu'avez-vous fait les 6 et 7 septembre 2017 au Togo, vous serez fiers de répondre à votre interlocuteur que vous avez participé aux marches organisées sur toute l'étendue du territoire national suite à l'appel des partis politiques du groupe des 6, du CAP 2015, du PNP, de Santé du Peuple, ainsi que de plusieurs organisations de la société civile et de personnalités du pays. Vous leur expliquerez à vos interlocuteurs que vous avez participé à ces marches pour faire comprendre à vos compatriotes togolais, aux Africains et à la communauté internationale que vous êtes pour les réformes politiques réclamées depuis longtemps par la majorité des Togolais, à savoir notamment la limitation du mandat présidentiel à 5 ans renouvelable une fois, le mode de scrutin à l'élection présidentielle à 2 tours, au vote de la diaspora et à des élections transparentes et crédibles au Togo. Vous leur ferez comprendre que vous avez choisi de participer activement à ces marches parce que, malgré les consensus de la classe politique et de la société civile à l'atelier du Hachkroun, en dépit des déclarations des populations lors des consultations menées par la Commission pour les réformes formée par le président de la République, le gouvernement et le régime en place et le Parti Unir traînent les pieds pour la révision de la Constitution intégrant ces différents points ci-dessus mentionnés. Vous avez accepté participer aux marches parce que vous êtes convaincu que ces réformes ne sont dirigées contre personne, contre un groupe ethnique donné, contre des compatriotes d'une confession religieuse donnée. Vous avez marché parce que les réformes souhaitées vont dans l'intérêt de tous les Togolais, quelle que soit leur origine ethnique, quelle que soit leur région d'origine, quelle que soit leur confession religieuse et quelle que soit leur appartenance politique. Dans le calme, la non-violence, mais avec détermination, vous avez marché parce que vous avez voulu faire comprendre à ce gouvernement, à ce régime en place, qui nous dirige, que la mise en œuvre de ces réformes est urgente et nécessaire pour un Togo uni et réconcilié avec lui-même. Chers compatriotes, oublions pour un instant, oublions pour toujours notre différence politique, ethnique et religieuse. C'est pourquoi je vous invite, quel que soit votre lieu de résidence, quel que soit votre parti politique, quelle que soit votre ethnie, religion ou région d'origine, à oublier ces différences et à sortir massivement les 6 et 7 septembre 2017 pour montrer au monde entier que malgré nos adversités, nous pouvons nous entendre pour réaliser ces réformes tant souhaitées par nous tous. Que Dieu bénisse le Togo, un et indivisible. Je vous remercie. Gogé.